Uh, good morning to everyone. <coughs> we bless you, bless the Lord for his goodness. <pizzTalking> on <riffing> on>? Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse ce matin. Au nom souverain de Jésus. Voilà, c'est lundi. Comment ça se passe chez vous là-bas? Que Dieu te bénisse. Et may the Lord bless you in Jesus' name. You are, you are welcome. You are blessed. You are blessed. We love you. We bless you. Que le Seigneur te bénisse dans le nom précieux de Jésus Christ. Voilà, connectons nous massivement, s'il vous plaît, partageons la vidéo. Euh, je n'avais pas l'intention de faire un direct ce matin, mais j'ai trouvé bon et juste de le faire nécessaire parce qu'il fallait que je revienne sur un certain nombre de choses. Ah. Le ministère, ce n'est pas facile, mes amis. Ce n'est pas du tout facile. Le ministère, c'est la guerre. Bonjour à Marie-Jeanne. C'est Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Emlor. Bonjour à Siloé. Bézabeth. Bonjour à Annick Jena. Bonjour à Odine Zinsou. Évangéliste Michael. Bonjour, bonne arrivée. Dieu bénisse. Bonjour à Josiane Gounet. Comment tu vas, ma fille Que la grâce de Dieu soit sur toi. Sur ta famille et sur ton mari. Ulda, on Ongoiba, we bless you. Laetitia Ewo, bonjour. Lumière Simone, Loutmila, bonjour. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour ton nom. Merci pour ta puissance. Merci pour la provision ce matin. Merci parce que ta parole et ton alliance sont souveraines. Que ton nom soit glorifié ce matin encore. Que nos yeux contemplent ta gloire. Seigneur, prends contrôle en toutes choses et glorifie-toi dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Partageons la vidéo maximum, s'il vous plaît. Ça, c'est une semaine dangereuse. Vous savez, on a nuit de flammes, la nuit de prière, ce vendredi, à partir de 21h à Yaoundé, à la bière, du côté de Kouaba, Et par la grâce de Dieu, dimanche, le culte des familles de Yaoundé, avec euh, le service des clés, le culte des, de la possession des portes de nos ennemis et des clés. De nos destinées. Tu viens avec ta clé et le Seigneur te surprendra dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, je voudrais revenir un peu sur une histoire qui a commencé vendredi passé. J'ai parlé, je pense que dimanche, euh, j'ai évoqué ça. Je crois que dimanche, oui, à Yaoundé, j'ai essayé d'évoquer ça. Ça s'est passé vendredi euh, autour de mon garde du corps. L'histoire de mon garde du corps, de l'un de mes gardes du corps. Et je pense que j'ai parlé à ce garde du corps là, et puis par la grâce du Seigneur Jésus Christ, depuis que j'ai parlé en public à l'église, il y a des messages que je reçois, beaucoup de messages qui arrivent pour essayer d'étayer ce que j'ai dit en public vendredi, je crois que c'est vendredi. Vendredi. Euh, le, ministère, le ministère, il faut que les gens comprennent que le ministère, c'est un don de Dieu, c'est une vocation. C'est-à-dire que Dieu vous appelle. C'est pour ça qu'un vrai ministère doit commencer. Dieu vous appelle, vous ne vous invitez pas, mais Dieu vous invite. Et puis, il vous présente un état de besoin. Il dit, OK, par exemple, je voudrais qu'il n'y ait pas assez de balayeurs dans ma maison. Bien sûr, qui balaye, balaye très mal. Je voudrais que toi, tu ailles balayer juste ma maison. Et là, vous avez un contrat, vous signez un contrat avec Dieu. Vous lui dites, ok, d'accord, je vais aller. Ou alors, je ne vais pas. Et si vous êtes d'accord, vous lui posez vos conditions. Seigneur, je vais aller, mais à telle condition. Et moi, la condition que j'avais donnée au Seigneur Jésus Christ dès le départ, c'est que si je m'engage à te servir, il faudrait que tu pourvoies tous mes besoins. Je ne veux pas être dépendant financièrement de qui que ce soit. De mon indépendance financière. Bénis-moi, et en plus... Je ne peux pas sacrifier toute ma vie, ma jeunesse, pour être un pasteur pour 500 personnes seulement. Il faut que ce sacrifice-là puisse impacter positivement des millions de vies. Et puis, le Seigneur a vérifié ma requête, il a étudié, et puis il on s'est entendu. Et je me suis engagé. Mais aujourd'hui, je sers le Seigneur. Ça, c'est la dixième année de ministère. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais pendant ces dix ans de ministère, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues. Beaucoup d'expériences qui font que vous avez quand même un peu de sagesse pour savoir gérer les affaires de la maison de Dieu. Parce que l'église n'appartient pas à un homme, c'est l'église de Dieu. Et tant qu'un homme de Dieu n'a pas compris que l'église, c'est n'est pas une propriété personnelle ou bien familiale, cet homme de Dieu-là aura toujours des problèmes. Il aura des problèmes. Parce que l'apôtre Paul écrit à Timothée en lui disant Afin que tu saches si je tarde comment te conduire dans la maison de Dieu. L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il y a des gens qui voient l'église comme la politique ou bien comme une entreprise familiale. Pourtant, euh, ce n'est pas de ça qu'il s'agit en réalité. Alors, vendredi, quand je suis arrivé à mon service et que j'étais en train de rendre ministère, là, je me suis retourné vers un de mes gardes de corps. Mon garde du corps même. Puisque. Nous voyagions ensemble, c'est lui qui était chargé de ma sécurité pendant certaines missions. Vous comprenez donc que si vous avez un garde du corps, là, vous êtes garde du corps, ça veut dire que vous avez une place très importante dans la vie de la personne parce qu'il s'agit de la sécurité directe de cette personne-là. Quand on parle d'un garde du corps, lorsqu'on parle du cuisinier, lorsqu'on parle des, des vigiles ou des gardiens, ça ce sont des personnes qui sont en réalité dans l'intimité. C'est-à-dire, il n'y a pas de tabou pour ces personnes-là, elles sont proches. Et il y a le chauffeur aussi. Et il y a aussi la ménagère. Donc, donc ça, c'est des personnes euh, qui, si elles se retournent contre vous, vous aurez vraiment des problèmes, vous aurez vraiment, vraiment des difficultés. Alors, vendredi, j'ai dit de donner le micro. À mon gars du corps là et je lui ai demandé est-ce que tu as parlé contre moi il a dit non je lui ai dit c'est faux tu as parlé même conspiré contre moi tu as parlé tu as conspiré contre moi tu m'appelles papa tu m'appelles prophète tu conspires contre moi parce que vous pensez que nous sommes prophètes pour les autres que Dieu ne nous révélera pas et, 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 et je n'arrive pas à comprendre comment euh, Quelqu'un peut être dans une église prophétique et il pose des actes contre le prophète, tout en se disant ah bon il ne comprendra, il, il n'apprendra jamais cela. C'est-à-dire je n'arrive pas à comprendre cela. Je vous dis la vérité. Donc maintenant le garde du corps, je lui ai dit tu as parlé mal de moi. Avant l'affaire du garde du corps, il y a eu d'abord l'affaire autour euh, de la gestion de l'huile de faveur, qui est quelque chose de sacré chez nous. Et il y a deux sœurs qui géraient ça. Je pense la première, je lui ai fait le reproche. J'ai quitté de chez moi, le prophète jean Francis, tu étais encore là. On avait servi d'impartition, je pense. Et puis, en quittant de chez moi, le Seigneur m'a dit quand tu vas arriver, voici ce que tu vas faire. Demande à ta fille qui gère, lui, le faveur de faveur d'aller compter le stock physique de l'huile et, et fais-lui écrire sa parole. Sur papier, qu'elle écrive, qu'elle t'apporte ça. Donc, je suis arrivé, c'est la première chose que j'ai faite. À l'entrée, je l'ai appelé, je lui ai dit Ok, va me compter les bouteilles d'huile de faveur qui restent en stock là maintenant. Elle a dit D'accord. Elle est partie, elle a pris le papier, elle a écrit. Et elle a donné ça comme elle le donne devant à l'hôtel. Donc, quand j'ai pris ça à l'hôtel, elle ne savait pas ce qui se passait ou pourquoi j'avais demandé d'aller compter le nombre de bouteilles d'huile. À l'hôtel, donc, je descends, je quitte, je laisse le prophète jouer Francis, à et au ministère. Pour ceux qui suivent encore la vidéo là, j'ai un papier en main, j'ai un format en main. Et je sors, je l'appelle donc. Parce que c'est ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Je l'appelle, et puis j'appelle mon chauffeur. J'ai dit aux deux, je remets le papier à mon chauffeur. J'ai dit, ok, allez compter, voici le nombre de bouteilles qu'elle dit qu'il reste. Allez compter, ensemble. Voilà comment ils vont aller ensemble compter. Et il va s'avérer qu'il y a une différence entre ce qu'elle m'a donné et ce qui était en stock de plus de 100 bouteilles. Plus de 100 bouteilles d'huile de faveur perdues. Donc, je lui ai demandé, mais attends, comment ici c'est tel nombre Et dans la réalité, il y a moins, plus de 100 bouteilles en moins. Comment tu expliques ça Comment tu expliques c'est toi-même qui viens de me remettre le papier que voici le nombre de bouteilles que tu as compté. Maintenant, on va, on recompte avec toi. Et parce qu'ils étaient habitués, quand me donne des rapports, je ne vérifie pas. Parce que c'est ça la réalité. Euh, depuis l'année dernière, là, il euh, y a des choses que je ne regarde pas, J'étais plus regardant sur ça. Et toi, elle dit que non, c'est la déléguée des finances de Douala qui a compté, qui lui a remis et tout ça. Mais ce que je devrais voir, je l'avais vu. Ce que je devais comprendre, je l'avais compris, finalement. Et après, elle a apporté, je pense que c'était quelques bouteilles, ou 50, je sais pas trop exactement combien, qu'elle a retrouvé ça en bas. Je n'ai plus rien dit. Le lendemain, elle est venue à la maison ici, elle a passé toute la journée chez moi, de s'excuser et tout ça. Bon, mais lorsque j'en ai parlé en public à l'église, elle s'est opposée. Elle a dit ce qu'elle disait était faux. Et je lui ai dit, va en paix avec ta conscience. Vas-y. Vous dites que vous voulez servir Dieu. Vous commencez très mal. Tu ne peux pas commencer ton ministère avec la guerre avec le homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu que toi-même tu sais que la main de Dieu est dans sa vie. C'est la folie en fait. C'est de la folie. C'est pour ça que David a dit celui qui trempe la main avec moi dans mon assiette, qui mange ma nourriture, a tourné le talon contre moi. Tu ne peux pas te lever contre un le homme de Dieu dont le ministère t'a nourri. On n'a pas besoin de proclamer une parole de malédiction. Non. La Bible dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire. Qu'il mange ta nourriture. Tu ne peux pas. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi C'est que euh, je vais laisser tomber. J'ai un principe. Si je te dis que c'est blanc, tu dis que c'est noir. Je dis que c'est blanc. Toi-même, tu sais que c'est blanc, mais tu dis que c'est noir. Je vais te laisser. Je vais croire en ce que tu dis. Je dis ok, d'accord, c'est donc noir. La deuxième sœur chargée de l'huile de faveur, je lui pose une question en public à l'église. Est-ce euh, que tu n'as jamais trafiqué l'huile de faveur Est-ce que tu n'as jamais trafiqué, traficoté Est-ce que tu n'as jamais fait une malversation par rapport à ça Elle a répondu, non, elle a levé de les deux mains. C'est des pasteurs. J'ai dit, OK, le lendemain, nous étions en réunion des pasteurs. Mon esprit n'était pas en paix. Je lui pose donc une question, mais directe. Est-ce que jamais tu dis la vérité devant le Dieu dont je suis le serviteur et que toi-même, tu es la servante, pas tu es pasteur. Est-ce que tu dis la vérité devant Dieu Que tu n'as jamais utilisé des bouteilles, d'huile de faveur vide, où tu as mis ton huile pour vendre aux gens. Elle a dit que oui, elle a fait ça une fois. C'était deux bouteilles seulement. Et donc, il dit, ok, d'accord, merci pour la sincérité. Mais devant le peuple. Tu as dit non, tu as nié. Et le problème, c'est que les deux sœurs ont été, ont été en presque la même période, les deux ont été agressées par des bandits. Agressées au point que l'une a été violée. Mais malgré que je connaissais tout ça, c'est-à-dire malgré que je connaissais tout ça, c'est l'Église qui a pris soin d'elle. C'est l'Église qui a pris soin d'elle. Jamais même demandé qu'elle vienne à la maison se reposer pour quelques temps. Donc, quand je demande à la petite de partir, il y a un de mes fils rebelle qui va causer avec elle, la révoltant contre l'autorité de son père. Ah non, il n'est personne, il n'est rien, il ne peut rien te faire. Tout ce qu'il a dit là n'est rien. Vous devez savoir que la Bible dit que. Euh, comme l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause et sans effet. Mais si la malédiction trouve que tu es coupable, mon ami, elle aura l'effet de aller relire encore les Saintes Écritures. Je ne maudis personne. Mais si quelqu'un vole déjà Dieu, j'ai besoin de dire encore quoi Je n'ai rien à dire. Je ne peux pas défendre Dieu en réalité. La personne va gérer ça là-bas avec Dieu. Pour moi, je prends une décision en tant que garant de la maison de Dieu, en tant que l'ange de la maison de Dieu. Je prends des décisions que je juge nécessaires et importantes pour la stabilité du ministère. Bon, maintenant, les, les, les enfants, tu vois, un enfant qui est avec toi. C'est pour ça que je dis souvent que l'humilité, c'est un esprit, la loyauté, c'est un esprit. Ce n'est pas au oh, papa, papa, papa. Oh, tu parles à un enfant à genoux. Et le fils dont je parle, même en route, quand il me voit se mettre à genoux. Est-ce que tu peux la genou? Mais son cœur était rebelle, mauvais. Son cœur était mauvais. Il parlait du mal de moi, mais il ne savait pas que j'étais au courant de toutes ces choses-là. Je suis resté tranquille. Donc il va révolter la petite fille, la jeune soeur contre moi. Il parlait des choses, des choses euh, horribles. Mais on a gardé le silence. Pourquoi? Parce que ma mère disait souvent à feu, ma grande soeur, que. Tu dis que comme tu, en fait, comme tu es avec moi là, tu auras les enfants. Donc, vous êtes en train de faire le ministère. Je ne peux pas parler, puisque c'est devant nous, nous tous là. On va aller, chacun va faire le ministère. Donc après ça, il y a une histoire qu'on vient de m'écrire. Je viens de lire ça dans un message. Je ne même pas chercher à savoir qui m'a écrit. La personne m'a fait un long message après l'incident de vendredi. Pour m'expliquer qu'en fait, le garde du corps... Que j'ai dénoncé vendredi avec ce pasteur dont je parle, ce fils rebelle dont je parle. Et un groupe de nordistes à l'église se sont ligués contre ma personne, disant des choses que moi, je méprise les nordistes, je n'honore pas ma tribu, je néglige les nordistes, ils sont là, et les gens les méprisent parce que moi-même je les méprise, je ne prends pas soin d'eux, et je me fais entourer des personnes qui sont riches, qui ont eu une certaine ascension sociale. Euh, déjà, il faut savoir que c'est pas parce que je suis nordiste que je dois être entouré d'un nordistes Ça n'est pas ma philosophie. Vous savez que dans beaucoup de ministères, quand vous arrivez, c'est ceux de la tribu de l'homme de Dieu qui sont au pouvoir. Oh, l'Église ce n'est pas un parti politique. Même ma propre mère qui m'a enfanté n'a aucun rôle à l'Église. Elle n'a aucun poste. Pour que vous veniez vous plaindre, que non vous êtes nordiste. Vous n'avez pas de poste à l'église, on vous méprise. J'ai dit, ma mère qui m'a enfanté, elle n'a aucune responsabilité à l'église. Ma petite sœur, la seule que j'ai, elle n'a aucun rôle dans ce ministère. Est-ce qu'elle n'est pas nordiste comme vous Pourquoi Parce que je ne suis plus nordiste. Je suis tout le monde. Je suis nordiste, je suis sudiste, je suis du centre, je suis de l'ouest, je suis de l'est. Je suis Bamileke, je suis Topouré, je suis Massa, je suis Ewondo. Je suis, je suis tout. Je suis toutes les tribus de l'Église. Parce qu'il ne faut pas que vous apportiez la politique à l'Église et ça n'arrivera pas de mon vivant. Donc, il n'y a pas une tribu à privilégier. À Réma, personne ne peut dire que les Bamis sont privilégiés ou bien tels, ceux qui m'entourent. C'est un assemblage de toutes les tribus. Et vous devez savoir que je ne suis pas un homme intéressé. Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas matérialiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui m'entourent là, ce n'est pas parce que les gens ont l'argent. J'ai beaucoup de gens qui m'entourent, qui sont. Je me fais entourer par des personnes que je juge être fidèles et loyales, qui ont fait l'épreuve de leur loyauté sur des années. Ce n'est pas que tu arrives, on ne te connaît même pas, ton nom, on ne sait pas bien prononcer, et tu veux du coup être dans l'environnement du prophète Icano Ferdinand. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une histoire de tribu, c'est une histoire d'esprit de loyauté. Je me fais entourer par des personnes loyales. Il faut que ce soit clair une fois pour toutes. Parce que la personne qui m'a écrit m'a expliqué que non, il y a une guerre entre les sudistes et les nordistes. Il n'y a aucune guerre entre les sudistes et les nordistes. Les vrais nordistes dans notre ministère sont tranquilles. Ils ne sont pas là pour chercher le poste ou chercher une reconnaissance de l'homme de Dieu. Ce n'est pas ma maison, c'est la maison de Dieu. Tu ne viens pas à l'église pour devenir mon ami. Non. Si tu viens pour devenir mon ami, tu seras confus en fait. Tu ne viens pas à l'église pour que... Parce qu'il y a des gens qui se disent, non, comme je suis nordiste, on doit me voir toujours m'afficher avec le prophète, je dois causer avec lui tous les jours, je dois parler avec lui, je dois aller à la maison manger avec lui. Non, mes amis. Non. L'église, là, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu au même titre pour le nordiste, pour le sudiste, pour celui de l'Est, pour celui de l'Ouest, pour l'anglophone, pour le francophone. Il n'y a pas de super enfant de Dieu. De la place que vous revendiquez, elle est illégitime. Je ne peux pas faire ça. Non. Le jour où je vais trouver un nordiste qui est sérieux et qui a fait ses preuves, mais on va l'établir. On va l'établir. Mon garde du corps, c'est un nordiste. À peine commencé à regarder ce qui s'est passé. Si ton garde du corps parle contre toi, il fait des conspirations contre toi, il parle aux gens contre toi, mon ami, c'est que tu es en danger. Donc, je voudrais dire que ce n'est pas une histoire de maudice. Et je vais vous dire une autre chose. Quand vous venez dans un ministère, vraiment, vous avez besoin de la maturité. Lorsque vous voyez un enfant qui parle contre son père. Si je punis quelqu'un, je punis avec raison. Même le jeune pasteur avec qui vous êtes révolté, ligué contre moi, parlait. parlait. J'ai des enfants loyaux, hein. Ceux qui me sont loyaux et loyaux à la vision et à Jésus-Christ sont plus nombreux que les déloyaux. Donc, vous ne pouvez pas être dans un ministère vous prophétisez que le ministère va tomber. Tu as ton gars du corps, il prophétise que le programme du palais d'espoir va échouer. C'est que vous ne me connaissez pas bien. Vous ne me connaissez pas, en fait. Vous ne connaissez pas ce que je porte. Ou que non, l'église va tomber après le départ du prophète Joël Francis Tatou. L'église va tomber. Bon, maintenant, l'église va tomber. Nous, nous voici donc debout. L'église se multiplie même plus tôt. Hier, à Douala, on était dépassés. À la Bible depuis que les bus ne sont plus là, nous sommes dépassés. Vous pensez que les gens sont aveugles? Hein, mes amis? Les gens ne sont pas aveugles. La Bible dit en quelque lieu se trouve le cadavre, là s'assembleront les vautours. Le jeune homme, je ne même viens pas même dire qu'il y a un fils. Qui s'est ligué contre moi, parlant contre moi, parlant, etc. Hein? Mais il ne vous dit pas tout ne vous explique pas tout. Vous avez un homme de Dieu. Ça, c'est des choses que... On ne voulait même pas parler de ça. Tu as un homme de Dieu qui dit qu'il est pasteur. Ton pasteur dans une église. Nous sommes partis. On a fait la réunion des pasteurs, la réunion pastorale. On fait la réunion pastorale mensuelle. Tu viens avec l'argent et après tu dis à ton père spirituel qu'on t'a agressé, on t'a volé. On t'a 600 000 francs. Près d'un million. Près d'un million. Je dire, bon, maintenant, la question que je pose donc, au pasteur, parce qu'il faut que les gens vous disent ça. Hein, il faut qu'ils vous racontent ça. Quand les gens parlent mal de nous, parlent mal de nous, il faut qu'ils vous expliquent ce qu'ils ont fait en fait. Je ne punis pas les gens pour rien. Quand je chasse quelqu'un de l'église, ça veut dire que c'est une faute grave. Il y a des choses que si tu fais, on va te chasser. La Bible dit, Paul a dit, tu ôteras le méchant, il dit ôter le méchant du milieu de vous. Il y a des actes qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas accepter. Vous voyez, on vient à la réunion des pasteurs, où à la fin du mois, chaque église, chaque responsable d'église apporte le rapport financier et il verse sa caisse à la générale des finances. Ce pasteur-là, ce jeune homme, il quitte de son église, son poste, il vient, il fait la réunion pastorale. Donc, moi, je, je sais que la réunion pastorale, ça veut dire qu'il a versé. Je ne sais pas s'il si était même présent à la réunion. Là. Donc, moi, je savais qu'il a fait le compte avec la direction générale des finances de l'église. Mais le lendemain, il m'écrit pour m'expliquer qu'on euh, l'a agressé avec 600 000 francs. On a pris 600 000 francs. La question que je lui ai posée c'est, mais attends, la réunion pastorale se fait pour verser les fonds, verser les fonds du mois. C'est-à-dire vider la caisse à la direction générale des finances, pour la caisse centrale, qui gère maintenant les problèmes des églises. Mais comment est-ce que tu t'es retrouvé encore avec 600 000 francs après la réunion, ça veut dire que tu n'as pas versé tout l'argent de l'église à l'église, à la caisse centrale, à la direction générale des finances. Il a dit que non, il n'a pas versé tout l'argent. Je lui pose la question pourquoi, parce qu'il me dit parce que l'argent l'a empiétré déjà dans le nouveau mois. Je lui dis attends, que ce soit dans le nouveau mois ou l'ancien mois, tu sais que la réunion pastorale de chaque fin de mois, c'est pour déverser les caisses des églises dans la caisse centrale. Qui gère les besoins de toutes vos églises. Pourquoi n'as-tu pas versé les 600 000? Il dit que lui, il a oublié. Maintenant, si j'étais un mauvais père, parce que rien ne prouve que l'argent qu'il a été agressé. Je veux que les gens comprennent. J'ai l'habitude de dire que quand vous me voyez prendre une décision en public, c'est que j'ai géré l'affaire en privé pendant longtemps. Pendant longtemps. Je lui ai posé la question. Bon, Quelqu'un d'autre, un mauvais père, dirait quoi Je t'amène à la police. Tu vas dire la vérité. Parce qu'on t'a agressé, il n'y a rien d'agression sur toi. On t'a poursuivi de Yassa jusqu'à l'église. Tu rentres la nuit, tu rentres tard, on te prend l'argent, tu prends la moto, il y a une autre moto qui vous a poussé, tout ça. Il a dit ça. Qu'est-ce que j'ai fait Je n'ai plus parlé. Je n'ai plus évoqué le sujet. Tout ce que j'ai fait, on l'a enlevé de son poste. J'ai enlevé de son poste. Quelqu'un de lui aurait porté plainte. Il aurait remboursé les 600 000 francs. Je ne lui ai rien demandé. Il est parti avec les 600 000 francs. Pourquoi Parce que je juge que je ne peux pas défendre Dieu. Non. Chacun est responsable de ses actions. Chacun est responsable. Donc, je voudrais dire à tous les nordistes rebelles, parce que les vrais nordistes sont en paix dans l'Église-là. Ils ont compris. L'Église, ce n'est pas une entreprise familiale ou bien tribale ou ethnique. Enlevez ça de vos têtes. Et enlevez... Il y a, je sais qu'il y a des personnes qui euh, aiment se monter plus privilégiées que d'autres. Vous devez savoir une chose me concernant. Pour moi, le ministère est sacré. C'est sacré. Et hormis le ministère, j'ai une vie. Ça veut dire que j'ai une famille que je dois gérer. J'ai une vie familiale que je dois gérer. J'ai des membres de ma famille que je dois gérer. Je dis qu'après le ministère, il faut que je prenne aussi le peu de temps qui me reste parce que je n'en ai presque pas pour la famille. La famille charnelle, restreinte. Donc, si vous vous attendez à ce que, bon, quand vous êtes nordiste, vous arrivez à l'église vous aurez une relation particulière avec moi, dont les nordistes devraient être honorés, ils ont leur place spéciale à l'église là-bas. Quand tout le monde sait qu'ils sont euh, ça ne va pas arriver. Ça n'arrivera jamais. Et si vous venez à l'église en tant que nordiste, pour qu'il y ait des affinités entre vous et moi, plus qu'avec d'autres personnes, parce que vous avez, vous dites que vous, êtes, vous avez le droit d'un certain privilège, les vrais nordistes même à l'église, ils ne se font pas voir. Pourquoi Parce qu'ils ont compris, ils sont matures, ils comprennent que l'affaire, si, si c'est notre frère à qui Dieu a donné cela, il ne faut pas qu'on gâte ça. En voulant mépriser les autres, en voulant nous faire voir par rapport aux c'est vous qui apportez le désordre et le tribalisme dans l'Église. Et je n'accepterai pas ça. Donc, que vous soyez nordiste ou pas, vous apportez le trouble dans le ministère, je vais vous chasser. Vous apportez le tribalisme, je vais vous chasser. Je vais appliquer... Le principe de l'apôtre Paul et d'Abraham. Il dit Si tu montes, je descends. Si tu descends, je monte. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordées. Et c'est un principe qui m'est sacré, qui m'est cher. Ce n'est pas parce que vous êtes nordiste qu'il faut que, bon, maintenant dans l'église, vous savez, j'ai expliqué une chose. Il y a une époque où, à Douala, au début, j'avais affecté un de mes pasteurs là-bas. Et un jour, il m'a proposé. De garder l'argent de l'église chez ma mère. Écoutez bien, chez ma mère, ma mère qui m'a enfanté. Je parle d'elle pour que les gens saisissent un peu bien. Et je lui avais dit, ma mère n'est pas diaconesse dans l'église. Elle n'est pas financière dans l'église. Elle n'a aucun rôle dans l'église. Elle ne doit même pas être au courant de combien les offrandes ont donné. Ça, je dis, elle n'est même pas au courant. Elle ne doit pas être au courant de combien les offrandes ont donné pour ne pas dire prendre l'argent, aller chez elle avec. Mais il ne m'a pas écouté. Un jour, par la grâce du Seigneur Jésus, j'ai découvert qu'il gardait l'argent chez ma mère. Et à l'époque, ma mère l'avait rassuré en lui disant qu'elle ne veut en fait pas chez mon fils, même s'il y a quoi là. Je vais gérer ça. Rien t'arrivera. Je te protégerai. Tu es sous couverture, sous bonne couverture. Quand j'ai appris ça, J'ai enlevé le pasteur là de l'église où il était. La note d'affectation est sortie immédiatement. On l'a remplacé, on l'a ramené, on a envoyé quelqu'un d'autre à sa place. Et quand il partait, il a regardé ma mère, comme pour dire que grand-mère, vous m'avez promis que je serai en sécurité lorsque euh, le père allait prendre une décision contre moi. Mais ma mère ne pouvait rien faire en fait. J'ai dit à ma mère que je suis le visionnaire du ministère. Ce n'est pas une entreprise familiale. Tu n'as pas de droit de demander à un pasteur de venir garder les offres. Et à l'époque, ma mère s'était même fâché. Okay, comme c'est comme ça, elle ne vient même plus à l'église. Elle va chercher notre église. Je lui ai dit, prions le Seigneur, maman. J'ai prié pour le Seigneur, garde maman pendant qu'elle va chercher notre église. Qu'elle trouve un bon pasteur qui va faire qu'elle garde l'argent à l'église sans aucun problème. Au nom de Jésus, Amen. Elle s'est fâché, elle n'a pas dit Amen. Mais après Dieu lui a parlé en songe qu'elle ne fait plus jamais, ça ne le trouble plus jamais. C'est lui que j'ai appelé, pas toi. Elle m'a appelé, m'a demandé pardon. Bon, si je me comporte ainsi avec ma mère, à combien faut-il raison avec toi qui n'est pas ma mère Il faut que les gens comprennent. L'Église n'est pas la politique. Et je n'accepterai pas que mon ministère devienne un champ de politique ou bien de bataille. Donc, si je trouve quelqu'un, qu'il soit nordiste ou pas, qui va apporter le trouble et la division dans ce ministère-ci, je vais le chasser de l'Église. Il va partir. Parce que dans mon patois, vous le savez, on dit que le calomniateur est plus dangereux que le sorcier. Parce que le calomniateur peut mettre à sac, à feu et à sang deux nations. Une seule parole, deux nations peuvent entrer en guerre. Tandis qu'un sorcier ne peut pas manger tout un pays en une nuit. Le calomniateur peut détruire deux nations en une seule nuit, par sa bouche. Donc, bien aimé, je voudrais dire à tous les nordistes que je vous aime. J'ai beaucoup de considération et de respect pour vous, mais au même titre que toutes les autres tribus de l'Église. Ne vous mettez pas au-dessus des autres. Craignons le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de super enfant de Dieu. L'Église, ce n'est pas une partie politique. Nous sommes dans la maison de Dieu où nous sommes tous égaux. Aimons-nous les uns les autres. Ne faites pas prévaloir vos droits parce que votre père spirituel est de votre région. Non, au contraire, cachez même que vous êtes nordiste pour que les autres se sentent aussi chez eux. Ça, c'est mon message que je vous passe. C'est des erreurs que d'autres ont commises dans la Bible. Vous savez qu'à un certain moment, au début de l'Église, de l'histoire de l'Église, les Juifs ont commencé à menacer les Romains, les chrétiens romains grecs, voulant prévoir que Jésus-Christ qu était d'eux. C'est l'apôtre Paul qui a sauvé les gens. Et À un certain moment, d'autres disaient on est d'Apollos, de Silas et tout ça. Non, c'est que ça ne soit pas votre partage. Donc, on en pâte, on en a

Donc, que Dieu te bénisse, vivons en paix, en attendant que le Seigneur Jésus-Christ revienne. La Bible dit maintenant, il n'y a plus ni juif, ni gentil, ni chite, ni homme, ni femme, mais Christ est tout dans tous. Donc, que cette vision soit votre partage au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse, et ne manque pas le culte de ce dimanche et vendredi, la nuit des flammes déjà, à partir de 21h à la bille en bon Et que la main de Dieu soit sur ta vie. Et j'ai dit un conseil à tous mes fils. Je vous ai répété la même chose, c'est une loi. Ne pensez pas que vous êtes plus sages que nous. C'est parfois facile de reprocher l'autre qui est en train de faire le ministère, de nous faire les reproches, notre manière de gérer. Toi, qu'est-ce que tu feras Il faut faire attention, c'est facile de dire l'autre gère mal. Ton tout viendra, on verra comment tu vas faire. Donc, il faut être très prudent. Ta langue peut te faire périr. On ne commence pas mal le ministère. Le début du ministère est très important, très important et crucial sur la fin et le déroulement de ton ministère. Comme j'ai l'habitude de dire, je n'ai pas bâti mon ministère sur le sang de quelqu'un. Je n'ai calomnié personne, je n'ai cherché à tenir l'image de personne. J'ai bâti mon ministère dans la justice et dans la droiture. C'est aussi pour cela que l'une de mes prières devant Dieu, c'est que, comme je n'ai détruit le ministère de personne, quiconque se lève contre mon ministère, qu'il s'auto-détruise lui-même. Ça, c'est une alliance que j'ai avec Dieu. Donc si tu ton ministère en calomniant ton père, en combattant ton père, en soulevant des rébellions, rébellions contre ton père, tu iras où? Tu vas aller où? On est tous au Cameroun. C'est parce que vous ne connaissez pas les démons camerounais. Vous n'avez pas l'esprit du Cameroun. Le ministère n'est pas ce que vous voyez là. Vous nous voyez faire certaines choses. Vous pensez que c'est facile. C'est au prix de grands sacrifices devant Dieu, de grands combats, de grands cris devant le Seigneur. Donc je prie pour vous. Vraiment que Dieu vous pardonne, qu'il vous donne la sagesse. Tu ne peux pas être plus sage que quelqu'un qui est dans le ministère depuis près de 30 ans. Toi, tu viens d'arriver, ta conversion, même on doute même encore de ça. Donc nous prions, je prie pour vous, que Dieu vous donne la sagesse pour comprendre, comprendre qu'un fils sans père est un fils sans repère, et que tu as besoin d'un père. Et il faut honorer vos pères, il faut les respecter. Il n'y a aucune église parfaite, il n'y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite, il n'y a aucun homme de Dieu parfait. J'ai l'habitude de dire, je suis un humain. Moi, à Douala, je l'ai redit, je ne suis pas non parfait. Mais Dieu m'a fait grâce d'être à son service. Toi-même qui parle, tu n'es pas parfait. Tu n'as pas conseillé le ministère, on ne sait pas à quoi ta part va ressembler. Donc, au lieu de critiquer, vous feriez mieux de vous humilier et apprendre pour être des héros de demain. Donc, que la sagesse qui vous manque vous soit donnée. Ça, c'est ma prière à tous mes fils. Que la sagesse vous soit donnée. Je prie que le diable ne s'appuie point sur vos folies pour détruire vos vies. Ça, c'est mon dernier mot pour vous. Que Dieu vous bénisse. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom.